Ils ont un process hyper cadré. C'est une entreprise qui a l'air de bien marcher. Pendant notre pause repas, on a croisé Justin, qui vit dans le petit village à 1 km de là où on s'est arrêté. Donc là, il nous a proposé de le suivre. Il nous emmène à une cascade qui est seulement à 5-10 minutes du petit village. Je pense que c'est juste en bas, on voit déjà la rivière. Prêt à aller te baigner ? Prêt à aller me baigner. Après une chaleur intense comme celle-ci. On traverse la forêt de bananiers. Là, on va goûter des bières et du vin à base de banane. So yeah, we have two types of banana, banana wine. All industries which are normally produce this kind of beer, it's normally located in Arusha town there. So they just come here to collect the banana from the farmer. So they just go to process, yeah? This is on top of mountain Kilimanjaro. You see the mountain? Yes. So once you drink this one, you'll feel you are on the top of the mountain Kilimanjaro, yeah? Okay. Ça sent comme le vin. It smells like wine. Have a glass for you? Ça pique. Ok. On a été invité par Justin, après cette journée passée avec lui, à dormir chez lui. Donc là, il nous indique la route. Et voilà, on va dormir sur son terrain cette nuit. On se réveille, on a dormi cette nuit juste à côté de la maison de Justin. Je viens de refermer la tente, on s'est préparé à partir et Justin vient de nous proposer de prendre le petit déj avec eux. Donc il prépare ça rapidement et on va les rejoindre. De la ferme, c'est du lait de sa vache à lui. Hier on a vu, il avait deux vaches, il les rentre la nuit dans la cour de la maison. C'est notre deuxième jour au garage aujourd'hui et du coup on va en profiter pour aller voir une association réalise des filtres à eau en céramique. Elle est pas très loin, donc je pense qu'on va essayer de trouver un taxi moto pour s'y rendre. Finalement, on est dans un tuk-tuk. On arrive bientôt. Bienvenue à Safe Water Ceramic. C'est une petite organisation, une petite entreprise locale en Tanzanie qui fait des filtres à eau à base de céramique. On va aller visiter ça ensemble et voir comment leur process marche. Ces filtres sont à destination des familles qui vivent dans des villages reculés et qui n'ont pas accès à de l'eau de très bonne qualité. Celle-ci est souvent polluée ou contaminée. Les filtres suppriment à 99% les bactéries mais aussi les protozoaires et les virus. Nous avons été accueillis par Natacha. Elle nous a expliqué comment ils fabriquent les filtres. The filters are made of three materials. The first material is the clay soil. Yes. And the second material is sawdust from pine tree. Okay. Yes. Yeah. And the third material is the colloidal silver. Okay. Now sawdust holds everything together and gives the shape of a filter, while the sawdust burns out during the firing process. It burns out, leaving very small pores that allow water to pass through. Mm. So there is no hole in the ceramic membrane,
the membrane is all porous and water sweats in every part of the membrane, assembles at the bottom and drips into a bucket. The colloidal silver is an antibacterial, it traps harmful parasites, microorganisms, and it also prevents algae growth in the ceramic membrane. So we find the materials locally, the two materials, but we import the colloidal silver and it's the most expensive material. This here is our production area. So we have three sets of machines. The first machine is called the clay grinder. We have to grind it to have the finer particles. Yes. Thereafter, we also sieve the sawdust so as to have the very finer particles. Thereafter, the second machine is called the clay mixer. It mixes the clay, the sawdust, for a certain amount of time. Thereafter, we take the colloidal silver, we dissolve it in water, pour it inside and mix it for almost 20 to 30 minutes. Thereafter, we have a mixture which has clay, sawdust, and the colloidal silver. This is our filter presser. It presses the filter to that mold. First of all, you put nylon on top of it. Thereafter, you put the clay. Thereafter, you lower the mold using a normal card jack. You lower this upper mold until it fits completely into the lower mold. Now, any excess clay will be removed. Any air bubbles will be also removed. You see now, the green ones have not yet been burnt, but the red ones have already been burnt. So after it air dries slowly in the shed, we arrange the mint in the kiln. Then we start the firing process. If we go beyond 960, we won't have the charcoal layer. Because if you fire the filters, the sawdust burns out completely, but in the middle of the filter remains a charcoal layer. The charcoal layer removes that mud and turbidity in water. So even if the water is dirty and colored, the water comes out clean and safe to drink. You see, this is the batch number for quality control, because we also have to test the filters before we sell them. And there is the date. We do test the flowing rate of every filter that comes out. Some filters do break during the firing process, but once they come out, they are good. We test the flowing rate. So we put like 10 of them, pour water, and once the water starts dripping, we start a timer. And in an hour, we accept a filter that produces 2 to 4 liters. If it produces less than 2 liters, we refire it, we put it back into the kiln for the firing process. But if it produces more than 4 liters, we grind that and use it for flower pots, no longer water filter, because the pores are too big, might allow particles and bacteria to pass through. But if the pores are too small, water that is produced may not be sufficient for the whole farming. As we are selling the filter, we put it in a bucket with an instruction paper and a brush. Cause du produit à base d'argent qui va éviter les bactéries, qui coûte très cher, les fils coûtent quand même 50$, donc c'est pas très cher, mais c'est cher pour les locaux. C'est encore mieux, t'as pas besoin d'attendre, pas besoin de discuter, c'est moins cher et ça nous emmène où on veut. C'est quoi la suite? Là, la suite, c'est de passer la frontière. On va finir toutes les réparations sur notre van. Là, normalement, ça devrait finir aujourd'hui. Je crois qu'on voit le bout. De notre passage au garage. C'est incroyable. Ouais, tempête de sable. Tempête de sable. Ce soir, on dort dans la cambrousse. Je sais pas, un peu moins d'un kilomètre de la route. La route principale, on a trouvé un petit chemin de nuit. On s'y est aventuré et il y avait un petit coin sur le côté. Entre les acacias, du coup, on est bien là, au calme. Personne pour nous embêter, on voit les étoiles.